Par exemple celui-là, et si on tire sur la ficelle, ben on change le son par exemple. Voilà, allez. Et les enfants, ça leur permet de jouer ensemble, on leur apprend à s'écouter, jouer ensemble, voilà, sans avoir eu avant un apprentissage long d'un instrument. Voilà. Et celui-là, il est un petit peu à part, parce que celui-là, on ne tape pas dessus. Donc on mouille ses mains, ça s'appelle un cristal. Et c'est celui qu'on retrouve le plus d'ailleurs dans les orchestres parce qu'on peut l'accorder si on veut. Et juste en frottant, ça fait des sons. Il faut juste bien se mouiller les mains. Je vous laisse essayer. Attendez, donnez, je vais vous le ranger. Allez, si. Oh, ouais. Non, mais... Comme vous voulez. Problème de peau. Oui.